avec Marius Coignard qui va driver Al Capone Jet. On l'a vu à deux reprises sous la selle récemment. Anguien en apprenti, une bonne troisième place et pas plus tard que vendredi dernier, également une bonne quatrième place derrière des 6 ans. Oui, la dernière fois, il courait très bien avec Capone. La piste n'est pas très rapide, il marchait très vite. Après, Anguien, il est à 10 jours, c'est pas laquelle est le meilleur. Qu'est-ce qui incite à recourir de façon rapprochée comme ça? Bon, et puis en plus, il a l'air d'avoir retrouvé la très bonne carburation, Al Capone. Oui, il faut souvent, il faut pas mal de courses pour qu'il revienne bien en jambes. Les deux dernières courses sont très bonnes, hein. Il marche très bien avec Capone, l'autre jour. Non, très bien. Il est pas moins bon athlé désormais, il doit être aussi bon dans les deux spécialités à son âge. Athlé, on pense qu'il est limite meilleur athlé. Hein. Monté, il a couru monter parce que il a effectué pour ça, mais athlé, il est quand même plus simple. Bon, vu l'opposition, il y a Balando hein, qui aura à battre à 25 mètres, ça paraît être le cheval de la course. Lui peut se glisser à l'arrivée, Marius, vous pensez? Ah oui, il devrait être dans les 5, hein, avec un bon parcours, s'il a vraiment bien récupéré. Sur ses deux dernières courses, il devrait être dans les 5.